Salut, salut, ici c'est Rex Potam. Aujourd'hui, on continue la séquence donc avec le deuxième morceau de cette partie qui est le Tuba Mirum. Alors, le Tuba Mirum est écrit en ré mineur. Il apporte l'un des thèmes pour moi les plus importants de la séquence. C'est un thème qui sera réutilisé à plusieurs moments. Ce thème est d'abord chanté au hautbois avant d'être repris par le soliste qui va mener un petit peu le morceau. Ensuite, le Mors Toupet Dvit, qui est la suite du Tuba Mirum, introduit un deuxième thème qui sert d'intermède chanté par le chœur, avant de revenir au premier thème avec le Liber Scriptus. Mesure 121, il y a là une longue introduction instrumentale donc qui va introduire le Iudex Ergo. Cette introduction est longue, mais c'est voulu. C'est une partie sans chœur, où le piano commence par les trois coups, c'est l'entrée du juge. Iudex Ergo, c'est l'entrée du juge qui se prolonge par des accords successifs, donc toujours au piano, qui permet d'aboutir à une modulation en sol mineur. S'ensuit un dialogue instrumental, donc qui se fait plus riche au fur et à mesure, avant l'entrée du chœur, mesure 159. La dernière partie, Quid sum miser, est déclamée par le soliste avec un accompagnement instrumental sans piano, et se termine donc avec une question poignante. Cette question, si on veut la dire, voilà, cum vix justus sit securus. Dans ma détresse, que pourrais-je alors dire? Quel protecteur pourrais-je implorer alors que le juste est à peine en sécurité? Voilà, donc ça conclut le Tuba Mirum. Alors, avant d'écouter le morceau, comme d'habitude, hein, si tu as des commentaires, comment ressens-tu ce Tuba Mirum, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Avec l'éclairage que je viens de te donner sur la partie centrale, l'arrivée du juge, est-ce que cette partie-là complètement instrumentale te semble plus compréhensible? Ou est-ce que tu vois d'autres de façons de faire peut-être? En tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai. Du coup, si tu as aimé ce morceau, n'hésite pas à me donner un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche. Voilà, je te laisse écouter ce morceau qui est relativement long et puis rendez-vous bientôt pour la suite. Bonne écoute!
Just to sit secure.